fonds de programmation. Ok, ça c'est pour passer au suivant, suivant. Donc c'est valider et passer au suivant. Je valide, je passe au suivant, voilà. Donc 36, j'ai fini de régler. C'est bon. Ok. Donc, le. Au niveau des batteries, il y a un qu'on avait mis. Il semble qu'on a mis un à 29, non? On a dit que ça va se charger jusqu'à 29. Le 29, c'est floating charge. Regardez-moi le floating charge 29, au niveau de la batterie Amaron. Qu'est-ce que Amaron a recommandé pour le floating charge? Ça peut charger jusqu'à combien le floating charge? Floating charge. Oui. 13,5 plus 0,1. C'est ça qu'on dit. 13,5 fois 2, c'est combien? 27. 27. Qu'est-ce qu'il manque encore? Alors, en fait, ça indique qu'on est sur la batterie et autres. Et ça indique que la batterie est en train de se charger. Le AC1F, ça veut dire la oui. Soit c'est sur le soleil ou la batterie. Oui, monsieur. Mais dans le fait que celui-ci clignote, ça veut dire que la batterie est en train de se charger. Oui. Ou en train de se décharger. D'accord, monsieur. Okay. C'est tout simplement l'un des deux. Donc, oui, bon, le menu. Quand j'enfonce le menu, c'est. Ben, ça, c'est la programmation. Hein. Okay. C'est ça. On va commencer directement par hauteur. Il y a des panneaux en batterie qui est en train de se charger. Oui, ça se charge. Parce que là, tu as le panneau. Et puis tu as la batterie. Ça indique successivement les tensions, valeurs. Les valeurs. Au fur et à mesure, tu as eu 230 volts. Ouais. Et puis tu as les valeurs au fur et à mesure. On continue. Ouais. Le 1. Ça avait ça. Avec le 3, 230 volts. Le 4, 50S. Le 5, la programmation. Vous lisez les rôles. Le 5 aussi. Le 6, le parti. Le 7. Le 8. Le 10. Le 11. Le 12. Le 13. Regardez le AGM, donc jusqu'à 27, 28,2. Ok, le floating. Le floating, ça va changer. Ouais. Après, on a le 27 volts qui est maintenu. 21,6. 23. C'est bon? Ouais, c'est bon. 27.